Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans un nouvel épisode du Winamax Football Club. Je suis très heureux d'être avec vous. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait une petite émission avec mes chers amis. Je suis très heureux d'être là. On est bien. On va pouvoir parler de l'Olympique de Marseille. On va parler de Steve Mandanda aujourd'hui. Émission spéciale sur El Fenomeno, la légende. La légende, Walid Acharchour est là aussi. Bonsoir. Bonjour Walid. Bonjour Romain, bonjour Elton. Bonjour les Winamis, Walid Acharchour, encore moi une de plus. Ça va bien ? Toujours là, ouais, non, vraiment. Ton micro est éteint. Ton micro est éteint, il faudrait peut-être l'allumer, mon cher. Désolé. Tu veux qu'on la refasse ou pas? Désolé. Mais on peut la refaire. On peut la refaire? On peut la refaire, parce que c'est important, c'est quand même un moment ouais. Important du win à ouais. On t'a toujours pas, tu dois être mute aussi comme micro. D'accord, c'est... Je vais dire bonjour à Elton, hein, le temps qu'il règle ça. C'est bon ou pas? Ouais, je crois que c'est bon. Ouais. Tu crois que c'est bon? Je crois que c'est bon. Bonjour Walid Acharchour. Bonjour Romain, bonjour Elton, bonjour les Winamis. Walid Acharchour, encore moi, une de plus. Alors, relou. Ça va ou pas? Ça va super. Je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans le WFC. Donc, je suis très, très heureux d'être ouais. Là après cette période d'inactivité. et je suis content de retrouver mon camarade Elton Mokolo, avec qui j'ai joué une belle partie de paddle hier. Ouais, on va y revenir. Voilà, on reviendra ouais. Là-dessus. Mais je trouve qu'il est en grande progression, mon petit Elton Mokolo. Elton, bonjour. Bonjour Romain, bonjour Walid, bonjour les Winamis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien de mon côté. Ça va bien? Moi je t'ai pas posé la question mais j'imagine que ça va bien. Oui, parfaitement. Vivre d'amour et d'eau fraîche Et de football. Et de football. Oh. Ouais, de circonstances. Vivre d'amour et de football. Tu vis de football toi? C'est-à-dire que... Vis de football, là, oui. Ouais. Ouais, t'as regardé le match hier entre l'Angleterre et la Hongrie? Non, il se trouve que je travaillais sur le sujet d'aujourd'hui. Ah ouais, ouais, Mandanda, ouais. Non, mais il y avait de la documentation à voir. Donc j'ai ah ouais, il y avait sur Steve Mandanda. Sur Mandanda, toi. Sur Steve Mandanda, il y avait de la documentation à voir. Moi, je suis un besogneux. Je me considère comme un besogneux. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que j'arrive en émission, j'ai besoin d'avoir de la matière. Tu vois, je ne peux pas avoir cette qualité d'improvisation. C'est ça me porte préjudice. C'est ça une belle entrée en matière. Dès le début, dès la première phrase, tu vois la supercherie de. Ah non, mais quelle supercherie! Je vous explique que moi, avant d'attaquer. Vive d'amour et de football, je te propose le seul match qu'il y avait hier. Tu me dis non, je ne l'ai pas vu. Bah parce que je travaillais sur le sujet d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. À quelle heure tu travaillais? Je travaille à partir de 21h. À partir du moment où il a pas envoyé le conducteur sur mon Danda. Si, si, il l'a envoyé. Il l'a envoyé. Regardez. Tu ne répondais pas. Tu as répondu à minuit. J'ai dû l'envoyer vers 21h. J'ai dû l'envoyer vers peut-être 21h01, voilà. T'es démasqué, c'est bon. Non, mais arrêtez de me prendre. Et le match est à 20h45. Non? Le match était à 20h45, donc t'as dû voir le premier quart. Justement, à 21h, parce que je suis revenu de paddle. Alors là, pour le coup, j'ai un argument, je suis revenu de paddle. Ah bah oui. Ah d'accord, donc paddle, tu préfères le paddle. Ouais. Tu préfères le paddle. Non mais la foot à qui? Donc vivre d'amour et de paddle. Vivre d'amour. Non mais la foot à qui? Vous m'avez invité au paddle, je rentre, il est 20h45, 21h. Le fait est qu'hier, il a été plutôt bon. Ah, il a été très bon. Merci beaucoup. Pour son niveau, il y a une vraie progression. Ah mais vraiment, il y a une vraie progression, je vous le dis. Je suis souvent critique avec Elton Marvin Mokolo, mais hier, il a été très bon. Il gère de mieux en mieux la vitre pour les spécialistes. Bon, il y a encore des choses à régler. Il a appris à servir. Enfin, ouais. Il a appris. Il a appris pendant la session. Le premier set. Non, mais moi, je suis une éponge. Moi, je suis une éponge. J'apprends de tout le monde. Ah ouais, t'es une éponge. Ouais. Bien baveuse. Ça se voit. Ton t-shirt, il est épongé. Ouais. Oui, donc, vraiment, de mieux en mieux. On a joué avec Nico de Bouscapé, Bousca Colombien. Et c'était vraiment... Voilà. C'était vraiment bien. C'est mes deux petits prospects là en ce moment. Bon, j'essaie d'en faire émerger un autre qui malheureusement régresse de jour en jour et de semaine en semaine. Il préfère les tournois. Les tournois, mais pas l'entraînement. Romain Bédouk, je ne sais pas si l'homme le plus, l'homme le plus fainéant sur terre sur un cours de paddle. Mais moi, j'ai envie de. Alors, je vais m'y mettre vraiment sérieusement l'année prochaine. Ça fait quand même un an que tu as commencé. Oui, mais c'est avec parcimonie, tu vois. Tu sais qu'on a commencé ensemble, premier match. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis après, toi, tu as décidé d'en faire ta vie. Et puis, puis moi, j'ai pas, j'ai autre chose dans ma vie. Ouais, mais l'année prochaine, je vais y mettre vraiment. Je pense que je vais prendre des cours avec mon meilleur pote. On va s'y mettre vraiment. C'est intéressant de voir que je suis pas ton meilleur pote. On le découvre. Mon pote le plus historique. Ah, d'accord. Ouais, Le plus historique. Vous n'avez pas de pote historique? Ça veut dire quoi, pote historique? C'est celui que je connais. Depuis le plus longtemps. Plus longtemps? Non? Ça compte pas chez toi? Bah si, si. Ah, lui, avec des collègues, lui. Ah, lui, il a, oui, ouais, lui, il a des collègues de... Lui. On l'a bien vu en story il y a deux jours. Là. Tu sais qui c'est son pote historique? Ouais. Ah oui, c'est le téléphone. C'est le téléphone, Elton. Ah, bien sûr. C'est lui qui l'a vu. Combien de temps de... Il ne lâchera jamais. Temps d'écoute?
Là, je suis à 9h. 9h par jour. Avec les émissions, ouais. Bah, du coup, ça baisse. Ouais, ça baisse. Bah, ouais, c'est ouais, ça. 9h. Et le travail, notamment sur Steve Mandanda, ça baisse. Ah oui, c'est ça. Ouais, bien sûr. Ouais. La 9h par jour. Léo Inami, bonjour. Très heureux d'être avec vous. On est content d'être là. Il y en a qui sont déjà là sur YouTube. Vous êtes là sur le chat Winamax aussi, sur le chat Twitch. Vous le voyez pas, mais on a ici un petit écran avec exactement tous vos messages qui sont retranscrits. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petits messages pour réagir au débat qu'on va faire, notamment sur Steve Mandanda. N'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus. Ça aussi, c'est important. Plus vous nous mettez de likes et plus le Winamax FC peut être proposé à des gens qui ne nous connaissent pas, notamment sur YouTube. Et donc, on peut complètement avoir une nouvelle communauté, etc. C'est pour mettre des messages comme ouais. Ça, sois plus foutre, Romain, à mon avis, tu peux tous les fumer. C'est une condition qui est compliquée. Alors, ce qui est vrai, c'est que, d'un point de vue bras et main, j'ai peut-être le plus de potentiel. Plus le bras. Ouais, plus le bras. Ouais. Bon, la main aussi, franchement, je fais des amortis parfois, des trucs. Ça, c'est voilà. Sommaire, tu m'accordes. Le bras, Romain. Ouais, ouais, j'ai plus de potentiel. Mais le problème, c'est que je suis, un, gros, deux, flemmard. Non, t'es pas gros, t'es un peu potelé. Ouais. Voilà. T'es un peu gras, quoi. Et je suis très flemmard. Ouais. Je sais pas si c'est plus flemmard que... plus emmerdant. Un grand manque de vivacité, d'explosivité. Oui, aussi. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Ah, faut travailler là-dessus, l'explosivité. Bah, l'explosivité, c'est que... Et Spice City qui dit... Dans ma tête, je l'ai, hein, mais c'est juste que... Voilà. Spice City qui dit, Walid, j'ai bien mangé, ne sois pas trop écœurant, s'il te plaît, je vais essayer. Mais tu sais qu'on avait une discussion juste avant l'émission, parce qu'on est arrivé un peu plus tôt, et on parlait un petit peu avec mon ami Elton Mokolo et de Romain. Je demandais à Elton de venir me soutenir à Roland. Rapidement. Non mais ça c'est complètement dingue. Parce qu'en fait mercredi 13 vous êtes tous invités, hein, vous êtes tous convivés. Oui, vous êtes tous invités, enfin, mais il faut inviter, précise bien. Faut prendre une petite place. Voilà, on arrive là. Voilà, faut prendre une petite place sur la FFT, mais je joue le tournoi VIP le mercredi 13. Félicitations. À 11h de paddle. On sera là pour t'accompagner. Voilà, dans l'écrin, dans l'enceinte mythique de Roland Garros. Suzanne Anglaise nous chatrie. Je sais pas, on sait pas encore. Et j'ai proposé un ami de longue date, voilà, Elton Mokolo, de venir me voir. Il a vraiment rien à faire dans sa vie de merde. Mais il m'a répondu. Déjà, tu pars très très mal. C'est pas une vie de merde. Il m'a répondu. C'est une vie riche en émotions. Ouais, il m'a répondu. Ouais, bah fais-moi gratter une place. Je lui dis non, bah je peux pas, etc. Prends une place, c'est 10 euros. Imaginons, 10 euros, c'est trop cher. Sachant que tu lui as déjà donné 3 ou 4 dates. Exactement. Donc l'équivalent de 400 places. Ouais, exactement. Non, mais vraiment, et je lui dis, ah bon, à moi, tu me dis ça? Il me dit, ouais, c'est trop cher. Donc voilà. Ouais. Encore une fois, c'est un dossier, c'est un fichier en plus dans le dossier de Delton Mokolo, le rat, la période de juin-juillet. La parole est à la défense. La parole est à la défense. Je tiens à me défendre. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de considération pour Walid Acherchour. Donc, il va disputer un tournoi VIP. Moi, j'ai envie d'avoir la meilleure place possible pour voir Walid Acherchour. Quel intérêt de payer 10 euros pour être en haut? Il n'y a pas de mauvaise place au Suzanne. Non, s'il y a une mauvaise place. Moi, je veux voir Walid Acherchour. Tu vois, il est à 2 mètres. Tu te rappelles? On a été à Roland-Garros tous les deux. Tu vois, comme à Marbille, comme à Créteil, je veux le contact. On a été à Roland-Garros. Tu vois, je veux qu'il me regarde. On a été à Roland-Garros tous les deux. On a vu des matchs, les premiers tours de Roland-Garros. C'est pas pareil, parce que le rapport affectif on était dans les places n'est sûrement pas le même qu'avec Walid Acherchour. Moi, j'ai envie qu'il sente ma présence. Hugo Gaston, je m'en fous complètement. Ah oui, c'est pour ça. Et 10 euros pour être au-dessus, ça ne m'intéresse pas. Il y a Yann Barek qui a un très, très bon commentaire. Walid, en plus, tu lui as déjà payé le resto la semaine dernière et il te dit ça. C'est vrai qu'Aya, c'est vrai que... Ah non, mais tu comprends pas mon argumentaire. Non. C'est-à-dire, si je paye 10 euros et que je suis en haut, tu vois... Tu payes 10 euros pour rentrer dans Roland-Garros. Après, derrière, t'inquiète pas, je vais te gérer quelque chose. Ah, t'inquiète ça, pas. Ah, ça change tout. Fais la première des démarches. Ok, bah je vais faire la première. Il va regarder le prix des hamburgers en Roland Garros qui vaut déjà deux fois le prix de la place. Il va dire oh. Par contre, je garantis, si je paye et que je suis mal placé, alors là, ça va être problématique. Ah, mais il y a Elton, il t'offre l'air que tu respires pas plus. C'est exactement ça. Les Winami, ceux qui ne l'ont pas fait, si vous aimez bien nos conneries, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, voilà, des petits likes. Le programme de l'émission, on nous demande si on va faire une heure vraiment sur un remplaçant qui s'en va à Rennes. On va pas manquer de respect à la carrière de Steve Mandanda. Plus de respect, Steve Mandanda. On va disséquer ça en plusieurs étapes.
On va d'abord parler du fait que c'est un joueur libre, un joueur libre encore pour l'Olympique de Marseille, pas de vente pour l'OM. On va se poser la question de savoir s'il avait quand même un coup à jouer cette année à l'Olympique de Marseille avant de partir. Ensuite, on parlera de ce transfert au Stade Rennais. Est-ce que c'est l'échec, l'erreur de l'Olympique de Marseille de laisser Mandanda partir chez un concurrent direct où là, vraisemblablement, il sera titulaire pour la saison. Ça va jouer entre lui et Alfred Gomis, mais vu la saison d'Alfred Gomis, il y a de fortes chances que Mandanda soit titulaire du côté de Rennes. Ensuite, on se posera la question un peu plus historiquement. Quelle place pour Mandanda dans l'histoire de notre championnat, la Ligue 1, dans l'histoire de l'Olympique de Marseille? Quel type de légende est-il? Parce que Stéphane Mandanda est une légende de l'OM. Et puis, on terminera avec un petit quiz spécial sur Stéphane Mandanda. J'ai préparé des questions petits oignons. Tout sympathique. Et c'est pour ça que j'ai travaillé de 21h à 23h30. Juste pour le quiz. Ouais, exactement. T'as intérêt à être très très bon. Ah bah, moi, j'ai pas travaillé. Mais je vais quand même te mettre en slip. Et j'aimerais voir la différence. Ok. D'accord. Et bah, tu vas la constater. J'espère que les gens qui sont sur le chat et qui regardent l'émission vont voir la différence entre un mec qui travaille et un mec qui ne travaille pas. D'accord. C'est ça. Parce qu'apparemment, t'as travaillé. Oui, parce que moi, je suis de l'école Jacques Brel. Je ne crois pas au talent. Je crois surtout au travail. N'importe quoi. On a cité Jacques Brel. On peut commencer l'émission. En plus, citation. Jamais tu peux la retrouver, parce que c'est même pas une vraie citation. Mais toi, t'as pas de culture, toi, c'est pour ça. Moi, j'ai pas de culture de Jacques Brel, moi. C'est une citation mythique. Je veux que je te rappelle ce que j'ai fait sur la valse militaire il y a deux jours. En interprétation, on t'a dit, ouais, bravo Romain, elle était pourrie. Ah ouais, d'accord. Elle était pourrie. Je te rappelle sur Instagram les anecdotes mensongères et invérifiables. Exactement. Non, non, non. Lui, c'est les. Les citations. Mais les gars, mensongères. Non, mais les gars, allez sur YouTube et vous aurez la déclat de Jacques Brel. Je ne crois pas au talent, je ne crois plus au travail. On va parler de Mandanda. T'es pas bonne. On va parler de Mandanda, c'est le début, c'est la causerie. Causerie donc sur Steve Mandanda. Steve Mandanda qui s'est engagé avec le Stade Rennais. Hier, ça y est, c'est officiel depuis hier. Juste avant de parler de l'impact sportif, etc., j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le communiqué de l'Olympique de Marseille, sur le départ de Mandanda. Je vous l'ai mis, c'est l'intégralité du communiqué. L'Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d'un commun accord. L'OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot Olympia, il est incontestablement entré dans la légende marseillaise. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est tout. Ouais, j'ai trouvé ça très fade et c'est décevant du côté de l'Olympique de Marseille. Pas de vidéo, pas de témoignages d'anciens ou de trucs. Enfin, ouais, on parle de Steve Mandanda, l'homme qui a le plus joué avec dans l'histoire de l'OM. C'est un peu court quand même. Ouais, il a explosé le record et pour moi, c'est très décevant du côté de l'Olympique de Marseille parce que Mandanda, c'est une institution, c'est un nom du côté de l'Olympique de Marseille et j'aurais espéré que quand bien même il part du côté du Stade Rennais, il puisse avoir un hommage à la hauteur de son talent. Surtout, et j'espère qu'il aura un retour au Vélodrome, pas nécessairement Marseille-Rennes, mais un retour au Vélodrome où il sera vraiment acclamé, il sera vraiment célébré. Là, c'est un départ par la petite porte. Et je ne pense pas que Steve Mandanda voulait ça. Surtout quand on entend Longoria en conférence de presse qui nous parle d'ADN, qui nous parle d'histoire, qui nous parle d'émotion. On ne veut pas non plus partir dans le Labrune qui avait décidé de retirer le maillot de Valbuena et de Souleymane Diawara. C'est petit, quoi, c'est maigre. Je pense que tu parles de Labrune, mais... Mandanda méritait ce genre de... Autant à l'époque, Valbuena et Souleymane Diawara, je ne pense pas. Mais Mandanda mérite ce genre de... Bah oui. Ce genre de choses. Il nous dit, c'est un peu ça comme communiqué, ça manque de sauce. Quand tu compares à l'adieu de Di Maria... Bah, alors après, c'est pas pareil, oui, parce que c'était bien les matchs, on savait que c'était bien les matchs de Di Maria. Mais pour Di Maria, Steve Mandanda, c'est un transfert. C'est incomparable, mais tu dois faire quelque chose, je sais pas moi, une conférence de presse. Une conférence de presse, juste ça, un minimum. Il part... C'est des choses qu'on a vues dans beaucoup, beaucoup de clubs récemment. Et là, quand il part au Dynamo Moscou, il a une conférence de presse d'adieu. Oui, mais encore, pour moi, Valbuena et Mandanda, c'est incompatible. Ah bah oui, mais c'est pour dire que même Valbuena avait une conférence de presse. Il a eu sa conférence de presse d'adieu, tu vois, Longoria, il arrive, il est en conférence de presse avec Mandanda remercie tout le monde. Et ouais, c'est un bon moment d'émotion pour l'Olympique de Marseille et pour ses suiveurs. Et ça, j'ai pas compris. Franchement, c'est fade. On nous dit surtout que le club est responsable de son départ. Alors ça, on reviendra. On va y revenir, dessus. Mais voilà pour l'hommage. Enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un hommage. Alors peut-être qu'ils vont préparer un autre truc. Peut-être que pour
le retour de Mandanda, ils vont dire le Marseille-Rennes, ils vont dire ça va être le Mandanda Day ou je sais pas quoi, un truc dans ce genre-là. Mais, mm-hmm. mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu court. Lui a fait un post un peu plus long sur Instagram, notamment Steve Mandanda. Là, il n'y a pas tout, mais je vous le dis en gros. Une page se tourne aujourd'hui. Chaque moment restera gravé dans mon cœur et dans ma mémoire. Je pars fier. L'OM, c'est ma maison, ma famille, mon club de cœur. Supporter, je veux simplement vous dire merci. Merci de m'avoir accompagné dans les bons moments et les instants les plus difficiles. Olympia, cette histoire, c'est la nôtre et elle ne se terminera jamais. Voilà pour la déclaration de Steve Mandanda. Avant de parler de son arrivée à Rennes, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la dernière saison de Mandanda et la question qu'on pouvait se poser sur la prochaine. Parce que, effectivement, Mandanda a démarré la saison comme remplaçant, puis a joué les matchs de Coupe d'Europe. Enfin, il est parti titulaire, après il y a... Oui, après il y a Paulo Lopez qui arrive. Ouais, ouais. Et il y a Monaco qui est le tournant dans la carrière, enfin dans la saison de Mandanda. Puis il va jouer les matchs de Coupe d'Europe, il va faire des performances remarquées en Europa League Conférence, et finalement il termine la saison un peu titulaire. Moi, la question que je vous posais, c'est, je vous la pose sur les différents chats, est-ce que Mandanda pouvait encore s'imposer à l'OM pour la saison à venir, sachant que Paulo Lopez a été acheté définitivement, l'option d'achat a été levée à 12 millions d'euros. Donc, il y avait un message peut-être envoyé par l'OM à ce moment-là. Mais est-ce que c'était complètement incongru de penser que Mandanda allait être titulaire ? Incongru, sportivement, non. Après, dans la vision globale du club, c'est très, très différent. Moi, pour être honnête, j'ai beaucoup défendu Sampaoli l'année dernière par rapport à son choix sur Paulo Lopez, par rapport à sa vision qu'il voulait du gardien. Mais pour moi, intrinsèquement, entre les deux, je préfère Mandanda à Paulo Lopez. Je le disais à l'époque. Ça a bien fonctionné parce que Sampaoli a assumé ce choix-là, parce que il y a eu une bonne intelligence. Voilà, il y a eu une bonne intelligence. Mais moi, pour moi, j'ai beaucoup plus de gages de sérénité avec Mandanda dans les cages si je suis entraîneur de l'Olympique de Marseille que Paulo Lopez par rapport à son côté décisif, par rapport à son côté sur sa ligne. Même si Paulo Lopez a fait aussi des belles choses, notamment l'année dernière, il a été plutôt bon par moment. Même voire très bon, mais plus ça avançait, plus cette sérénité commençait un petit peu à lui échapper. Le problème, c'est que la fin de saison, elle a été quand même pour Mandanda, tu l'as dit, que ce soit dans les gros matchs, je me rappelle de ce match. Je crois qu'il joue les 8 derniers matchs. Ouais, je me rappelle ces matchs à Karabag, match même contre le PSV Eindhoven à l'aller, où il sauve quand même pas mal d'occasions, où il est décisif. Sur sa ligne, et on sent vraiment que physiquement Feyenoord, je veux dire, pas PSV. Feyenoord, pardon. Feyenoord, et on sent vraiment que Mandanda a retrouvé son physique à ce moment-là et que c'est devenu le numéro 1, et c'est pour ça que Sampaoli a la bonne intelligence de changer sur la fin de saison, et c'est ce qui a permis à l'Olympique de Marseille aussi d'être deuxième du classement à la fin. Donc moi, globalement, bien entendu que sportivement il aurait pu, mais à partir du moment où tu lèves l'option d'achat de Paulo Lopez, 12 millions, qu'il est la plus valeur jeune, économique voilà, est trop importante voilà, pour l'OM. Qu'il est plus jeune que Mandanda, eh ben t'es un peu obligé quoi. Juste sur le chat, vous pouvez répondre oui ou non, donc sur YouTube, sur Twitch et sur Winamax, Mandanda pouvait-il encore s'imposer du côté de l'OM ? Ça sert à rien de mettre 25 000 fois oui ou non. C'est un vote par compte. Maintenant, Paulo Lopez en Ligue voilà. des Champions. Parce que il y avait aussi donc ce qui était loué pour Paulo Lopez l'année dernière et dans l'état d'esprit de Sampaoli, c'est comme ça qu'il avait expliqué, c'était sur le jeu au pied notamment de Paulo Lopez. Oui, il était censé être meilleur que Mandanda. Est-ce qu'avec Tudor, le jeu au pied du gardien est aussi important qu'il ne l'était sous Sampaoli ? Et est-ce que, pour toi, parce qu'on n'a pas eu ton avis, est-ce qu'il pouvait encore s'imposer ? Et ça, on le verra notamment sur les prochains matchs de préparation face, je crois, c'est Middlesbrough. Norwich. Ouais, Norwich, qui va arriver très rapidement. Et maintenant, pour revenir sur ta question initiale, moi, je pars du principe que Mandanda était meilleur que Paulo Lopez. Mandanda était meilleur que Paulo Lopez. Maintenant, il y a eu un choix assumé de la direction. C'est-à-dire que
Sampaoli arrive en mars 2021. Avec Pablo Longoria, ils ont dans l'idée de dessiner leur équipe. Et Sampaoli t'explique qu'il a besoin d'un joueur de champ en plus. Et donc, raison pour laquelle Paul Lopez arrive en tant que gardien de l'Olympique de Marseille. Alors que Mandanda pensait que c'était justement pour combler le départ de Pelé. Donc, il y avait un numéro 2. Il se trouve que c'était deux numéros 1. Et ensuite, Sampaoli a décidé que ce serait Paul Lopez. Mais pour moi, factuellement, en tant que gardien, Mandanda était supérieur à Paul Lopez. Mais il faut aussi comprendre la vision du côté de Longoria, savoir que Longoria, il se dit que aujourd'hui, dans un Olympique de Marseille qui a besoin de créer un cercle vertueux, c'est quoi le cercle vertueux ? C'est-à-dire recruter des joueurs qui sont susceptibles d'être revendus, et bien Paul Lopez, il représente un actif qui peut valoir un tel, enfin, qui peut valoir quelque chose d'ici 2-3 ans. Paul Lopez, il a quoi, 26, 27 ans, il arrive dans ses meilleures années. Mais si est-ce que des gardiens qui sont vendus à plus de 12 millions d'euros, il y en a tant que ça ? Ah, mais ça, c'est l'objectif. Ça, c'est l'objectif. Par exemple, on peut partir sur qualification en Ligue des Champions à travers le championnat, bon parcours en Ligue des Champions. Il est international espagnol, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tu peux faire en sorte Bon, international espagnol. Oui. Le fait est qu'il a été international espagnol. Il a été. Mais après, quand tu vois, par exemple, le troisième gardien espagnol, on peut dire que Paul Lopez, il peut légitimer à un moment donné de se dire je peux être dans le groupe. Et donc, par rapport à ça, tu peux te dire que tu peux avoir un investissement. Là où Steve Mandanda, sa valeur économique. Elle est marginale, sa valeur économique est marginale à partir du moment où on parle d'un gardien qui a 37 ans. On l'a bien vu, mais voilà, c'est le choix de, c'est le choix de la jeunesse. En fait, l'Olympique de Marseille prend le risque de reculer de deux pas pour avancer. Ouais, en gros ils font le choix, mais c'est plutôt logique, de, financièrement, économiquement, de privilégier un mec à 10 ans de moins. Maintenant, ça n'empêche que sportivement, pour moi, celui qui est le plus performant et qui a le plus d'expérience et qui connaît le contexte, etc. Ça reste Mandanda. Surtout en plus, à la limite, si tu me dis, Sampaoli reste. Ouais. Je dis, ok, pourquoi pas Paul Lopez ? Parce que Paul Lopez. Oui, parce que ça allait plus, ça épousait plus les envies de ce coach-là. Sampaoli voulait. Maintenant, moi, j'aurais bien aimé quand même que Longoria temporise un peu plus, en tout cas Mandanda aussi, peut-être, parce que Mandanda voulait partir. Temporise un petit peu plus, parce que dans la conférence de presse, ils expliquent qu'il va toujours avoir Ouais, il explique lors de la conférence de presse de Tudor qu'il y aurait une concurrence, mais pour moi c'est une concurrence déguisée à partir du moment la valeur économique incarnée par Paul Lopez. Mais donc à partir de ce moment-là, est-ce que Tudor a donné son avis en disant non, moi je veux garder Paul Lopez ? On ne sait pas en fait, on n'a pas toutes les informations non plus. Mine de rien, je suis assez surpris par le résultat du sondage avec 63% des Winami qui pensent que Mandanda pouvait encore s'imposer à l'OM. On rappelle 37 ans Mandanda. Par rapport à Paul Lopez. Bah oui, sportivement, moi, je suis d'accord avec lui. On parlait de la valeur économique tout à l'heure. Alors ça en vient à notre deuxième partie sur le transfert de Mandanda à l'Olympique de Marseille, qui n'est pas vraiment un transfert. Parce que transfert, normalement, ça veut dire un club rachète le contrat d'un joueur auprès du club dans lequel il était. Sauf que là, c'est un... Mandanda est laissé libre. Ouais, il lui reste 2 ans de contrat. Il lui reste 2 ans, c'est ça ? C'était 2024. Ans. Il lui restait 2 ans de contrat et il est laissé libre par l'Olympique de Marseille. On ne va pas reprendre la capsule un peu troll qu'on avait sortie sur les réseaux de Winamax à dire est-ce que Marseille sait ce que ça veut dire de vendre un joueur. Mais là, effectivement, on peut se poser la question. Et je vous pose la question, les Winami, est-ce normal pour vous qu'il ait été laissé libre ? Est-ce que vous pensez qu'à partir du moment où Rennes était intéressé, Marseille avait peut-être une somme à aller chercher de la part du Stade Rennais. Ou alors, non, c'est normal, on a voulu arranger les choses pour Mandanda et puis ça a arrangé finalement un peu tout le monde. Moi, c'est pas ça qui me dérange le plus, je en parlerai après. C'est plus la destination. Mais le fait de l'avoir laissé libre à partir du moment où l'Olympique de Marseille fait le choix de Paul Lopez, à partir du moment où Mandanda veut partir et estime qu'il a les qualités, les capacités. Parce que n'oubliez pas, on est sur une année Coupe du Monde. Il a la capacité et les qualités pour s'imposer dans un bon club, pour retrouver du temps de jeu et pour aller faire la Coupe du Monde notamment. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau, entre guillemets, de la part de Longoria en disant, Steve, pour service rendu, t'as fait des choses extraordinaires avec l'Olympique de Marseille. On va pas te casser les couilles, entre guillemets, avec... On va pas te casser les pieds. On va pas te Il y a casser... des enfants qui regardent Oli. Voilà, on va pas te casser les pieds avec en te mettant des bâtons dans les roues, avec une indemnité de transfert que ces clubs-là pourraient pas payer, etc. Donc sur ça, moi, c'est pas ça qui me pose de problème. Par contre,
Non, on en parlera. On va y venir après sur le choix Rennes. Mais la destination, ça me dérange. Moi, j'ai cru comprendre que la situation économique de l'Olympique de Marseille était quand même pas la plus. Ah, mais Romain, faut faire le distinguo. Même si c'est un transfert de 1 million, est-ce que Marseille est à. Je vois que pour Radonjić, ça va être une option d'achat à 2 millions. L'obligation d'achat à 2 millions. Donc on est dans ces ranges-là. Ouais, 2 millions. Ouais, Radonjić, c'est 2 millions. Ouais. Mais donc on est à peu près dans ces ranges-là. Est-ce que 12 millions en 2018. Mais ça, ouais, 8 plus. 8 plus bonus. Ouais. C'est déjà conséquent pour Marseille. Est-ce qu'on était à ça près? Voilà. Est-ce que Marseille était à sa prime? Non, mais aujourd'hui, pour moi, Romain, il est très important de faire le distinguo. Tout à l'heure, on va parler de ce qu'a apporté Steve Mandanda à l'Olympique de Marseille et à la Ligue 1. Steve Mandanda appartient à ce genre de joueurs qui ont gagné le droit de décider de leur avenir. Donc, à partir du moment où il est numéro 2, enfin, il n'a pas dit Longoria, mais c'est tout comme, à partir du moment où Steve Mandanda a émis le souhait de rester compétitif et de choisir un club dans la perspective notamment de la Coupe du Monde, je pense que du côté de l'Olympique de Marseille, tu as tout intérêt à être élégant et te dire que, bon, on va lui faciliter la sortie. Parce que si tu laisses traîner le dossier, tu sais ce qui va se passer. Le WSC va arriver, va faire des débats sur Mandanda et tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, à un moment donné, je pense que c'est aussi bien pour Steve Mandanda, mais aussi pour l'Olympique de Marseille et pour Paul Lopez. Parce que si d'aventure... Je pense qu'il y a des mecs qui sont inquiétés par rapport au fait qu'on fasse des débats. Non, mais je te parle pas ça. Je te donne un exemple très concret. L'Olympique de Marseille, sur le principe, va avoir une équipe qui sera moins bonne que la précédente, que la saison précédente. Si l'Olympique de Marseille démarre pas bien en Ligue 1, ne démarre pas bien en Ligue des Champions, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le sujet Mandanda va revenir sur le tapis. Donc là, tu t'achètes, entre guillemets, la paix sociale en te disant que non, tu mais fais là, une pierre de coups. Il y avait un mois, pour gérer ça. Tu évacues rapidement le problème. Voilà la position de l'Olympique de Marseille. Tu évacues rapidement le problème et en soldant un héritage d'héros. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que Jacques-Henri Hérault, en 2020, il donne 4 ans de contrat à Steve Mandanda qui a déjà 35 ans. Oui, c'est vrai. Ah oui. Je crois que dans les 4 ans, enfin, la dernière année, il y a de la reconversion possible. Donc, c'est pas donc c'est que pas tu fais. Ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde. Longoria, tu le diras. Il faut qu'elle arrive, quoi. Si le mec il veut jouer. Oui, si le mec il veut jouer, t'es mort. Tu vois, à un moment donné, la reconversion, normalement, à 37 ans, elle arrive. Alors, on va aller directement sur le fait que ça soit pas dans n'importe quel club qui s'en va. Il va à Rennes. Ça me dérange. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que quand tu es dans la position de l'Olympique de Marseille, justement, je reviens un petit peu, et peut-être que je fais des calculs d'apothicaire, hein, mais je reviens un petit peu dans mon idée de le vendre vraiment et pas de le laisser libre. Mais est-ce que quand tu es dans l'Olympique de Marseille, tu dis, écoute, tu peux avoir une valeur marchande parce que ce club te désire, c'est en plus un de nos concurrents, il serait logique qu'on ait une petite rétribution. Mais non, c'est pas la rétribution. Moi, pour moi, je vais voir Steve Mandanda, je lui dis, écoute, voilà, soit tu veux rester à l'Olympique de Marseille et jouer la concurrence, soit, comme cette année, si tu ne veux pas, nous, on va te laisser partir libre. Par contre, on veut que tu trouves un club qui n'est pas concurrent avec l'Olympique de Marseille. Sinon, on ne te laisse pas partir libre. Sinon, on ne te laisse pas partir. Parce que pour moi... Walid, tu n'es pas en position de force. Eh bah si. Tu n'es pas en position de force. Parce qu'encore une fois, moi, je suis désolé, mais le message qu'on voit à l'Olympique de Marseille, c'est de renforcer un concurrent qui va... qui était déjà concurrent cette année et qui va l'être l'année prochaine, où il y avait un secteur déficitaire qui était... Mais c'est même pas qu'une histoire de renforcer, c'est en lui facilitant la tâche. Non, mais oublie, facilitant, moi c'est pas si, ça joue quand même. Et moi je m'en fous de faciliter ou pas. Le Rennes, ils sont pas à 1 million ou 2 millions près, les copains. C'est pour ça. Donc voilà, donc si demain ils doivent mettre 3 millions, ça va changer quoi? Marseille au moins récupère 3 millions. Mais non, mais 3 millions pour faire quoi? Ça sert 3 millions. C'est marginal. Mais arrête un peu avec ta potiquaire, c'est qu'aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit marginal dans l'état économique. Dans l'état de l'Olympique de Marseille, 3 millions sur un gars de 37 ans, c'est marginal. Le plus important, Romain, le plus important, c'est de ne pas renforcer ton concurrent. À partir du moment où tu le renforces à 1 million, 2 millions, 3 millions ou libre, pour moi, tu le renforces quand même. Ah oui. Et c'est ça, moi, le plus important. C'est de dire, moi, je suis désolé, mais tu vas dans un club à l'étranger, tu vas où tu veux, mais tu vas pas à Rennes. Ah mais ouais, c'est une question d'offre et de demande. Rennes offre le meilleur compromis pour Steve Mandanda. Du côté de Marseille, moi, à un moment donné, si je suis à la place de Pablo Longoria, je veux bien être gentil, je veux bien être sympa, te faciliter, comment dire, ton départ. Les 2 années de contrat, il n'y aura pas besoin de les racheter parce que tu partiras libre et à l'amiable. Mais par contre, en contrepartie, Steve, Marseille, c'est pas Disneyland, ok, on n'y a pas écrit dindon ici. Donc, en fait,
tu vas choisir une destination qui va nous convenir. T'as le temps, Steve. Steve, on est le 7 juillet, le 6 juillet. Hein, tu as le temps. Après, tu peux dire que lui, il veut commencer la préparation. Je m'en fous. Maintenant, tu t'en fous pas. Et bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux pas avoir un dossier qui est pourri pendant un mois. Pourquoi tu peux pas avoir un dossier qui est pourri pendant un mois? Parce que Steve Mandanda, je t'ai expliqué, il a gagné le droit de décider. Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais en quoi il a gagné? En quoi? Parce que c'est une légende de l'Olympique de Marseille. Mais à partir du moment où t'as pris le choix de promouvoir Paul Lopez, l'Olympique de Marseille, à un moment donné, doit aussi décider de, à partir du moment où le joueur est sous contrat, de la suite de l'année en Ligue 1. C'est-à-dire que, en fait, parce que Mandanda c'est une légende, bah vas-y mon copain, va au PSG. Là tu caricatures. Je fais exprès de caricaturer pour que tu comprennes qu'aujourd'hui, Mandanda, l'Olympique de Marseille ne peut pas tout faciliter. Ok? Uniquement parce que c'est une légende. Mandanda, il est parti à Crystal Palace. Oui. D'accord, ok. Ça n'a pas dérangé. Si à l'époque. Et Mandanda, parce qu'il y avait une indemnité transfert à l'époque, ils en avaient pas. Parce que aussi, il y avait le club. Oui. Si aujourd'hui, Mandanda, à l'époque, avait été dans un club concurrent, l'Olympique Lyonnais par exemple, ou à Rennes, il l'aurait pas vendu parce qu'à l'époque, il était numéro 1. Et bah, je veux la même chose. Ah non, parce que aujourd'hui, c'est un gardien de 37 ans qui est numéro. Bah si, le contexte de définition, c'est un gardien de 37 ans, numéro 2. C'est un gardien qui a une valeur, c'est un gardien qui sportivement pourrait être numéro 1 dans ton club. Mais ils ont décidé que non. Mais il n'est pas numéro 1 parce qu'on l'a expliqué, parce que économiquement ils ont préféré un joueur de 26 ans. Mais donc, c'est pas parce que aujourd'hui ils décident qu'il n'est pas numéro 1 qu'ils doivent tout accepter. Et en disant amen, tu fais ce que tu veux, mon copain, t'es libre, tu vas à Rennes. Donc ça veut dire que nous, on s'assoit sur une indemnité de transfert. Et en plus, on renforce un club. Concurrent, un club, parce que je vais terminer là-dessus, qui n'a pas joué la Ligue des Champions l'année dernière à cause de ça. Oui. À cause d'un gardien qui a crevé l'équipe. Donc, d'ailleurs, t'as vu ce qu'il a dit, Genesio. Il fait il a fait une bonne saison, mais on aurait pu avoir une ou deux places en plus. Donc aujourd'hui, tu vas renforcer le secteur prioritaire de Rennes avec un joueur décisif qui connaît le championnat, qui va ramener une expérience. Mais on est chez les fous. Alors je vous ai mis les cotes. C'est des cotes qu'on a fait demander par les traders de Winamax, et c'est des cotes qui sont plutôt intéressantes. C'est qui va finir devant en Ligue 1 la saison prochaine. Est-ce que c'est l'Olympique de Marseille ou le Stade Rennais? Si vous voyez l'OM finir devant Rennes, c'est à 1,50. Si vous voyez Rennes finir devant l'OM, c'est à 2,15. Ça a été fait après le transfert de Mandanda. Donc on peut se poser la question. C'est vrai que c'est des cotes qui sont assez équilibrées. C'est pas les plus équilibrées parce que c'est plus équilibré avec Lyon, avec Monaco notamment côté marseillais. Mais c'est vrai et c'est le cas. Rennes va être un vrai concurrent de l'Olympique de Marseille cette saison. Évidemment. Et le secteur du gardien, on en parlait, était un secteur qui était défaillant. Ben oui. À aucun moment l'Olympique de Marseille n'a son mot à dire dans le choix de la destination. Parce qu'aujourd'hui, ils sont capables de faire avec cette composante. Avec la composante de renforcer un concurrent. Oui, ils estiment qu'à partir du moment où ils ont acté le fait que Steve Mandanda ne serait pas une solution principale pour l'Olympique de Marseille, et ben le choix du club de Steve Mandanda est relatif. Moi, je comprends pas. C'est la position. Moi, je partage pas ça. Oui. Je partage pas cette vision. T'as le droit de le penser. C'est ça, mais oui, bien sûr, j'ai le droit de le penser. Mais ça, après, c'est la force de l'institution. Mais non. L'institution, c'est aussi de savoir de ne pas renforcer les concurrents. Je rajoute le facteur rétribution. Oui, d'accord. Si tu touches quelque chose, ça m'importe pas. Mais en tout cas, moi, je te dis que. Moi, à l'époque, quand le Barça donne Suarez à l'Atlético Madrid, même si Suarez il est sur la pente descendante, je suis désolé, mais je suis à la place du Barça, je dis à Suarez, tu changes de championnat. Tu ne vas pas. Mais non, ne me dis pas aujourd'hui. Non, regarde avec les yeux de Mandanda. Aujourd'hui, Rennes présente un avantage sportif, un avantage économique. Mais là, on parle de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, à 37 ans, il n'y a pas 50 clubs qui sont capables d'offrir la même situation. Oui, mais sauf que l'Olympique de Marseille a un contrat de 2 ans avec Mandanda. L'Olympique de Marseille décide s'ils veulent laisser partir Mandanda ou non. Oui. D'accord. Donc c'est Marseille qui a le lead. Sauf que je trouve que Marseille, sur tous les plans là, sur de l'angle de... Je te parle pas de l'angle de Mandanda. Mandanda, il veut se barrer, il va à Rennes, etc. C'est légitime, il n'y a aucun problème à partir du moment. Mais oublie l'angle Mandanda. Là, moi, je parle de Marseille. Sur Marseille. Je parle de Longoria. Oui. Je parle du choix.
et ben moi je le trouve incompréhensible. Et surtout, la dernière des choses, c'est que moi, pour moi, ça rajoute du côté de Marseille un exemple supplémentaire où l'équipe s'affaiblit par rapport à l'année dernière. Ah mais ça c'est indéniable. Ah, ça c'est indéniable. Bah oui d'accord. Donc oui. En fait non, oui bah c'est indéniable. Donc oui. C'est parti aujourd'hui de notre réflexion. Oui. C'est oui. Qu'à un moment donné. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ah, bah, d'accord, je... Ah, je suis d'accord. Oui, bah, oui. Suis d'accord avec toi. C'est dit. Que après Camara, après Saliba, après donc on a Mandanda. C'est super. Ouais. Hein. Après Sampaoli aussi parce que je vais pas le dire mais on va encore me dire Oli. Tu fais vas-y tu peux dire. Avec Sampaoli. Mandanda, qui a fait la fin de saison, qui a été décisif, qui a été important, bah, il sort du club. En plus de sortir du club, eh ben, il va chez un concurrent. Moi, ça m'échappe. Après, si les gens trouvent ça normal, si apparemment c'est comme ça, etc., ils étaient obligés, et puis Mandanda, comme il a fait 800 matchs dans le club, il est capable de faire ce qu'il veut, Encore une fois, tu caricatures. Non, encore une fois, tu caricatures, et je t'explique que... Je t'explique que le salaire de Mandanda, ils sont bien contents de s'en débarrasser. Ah oui. Mais où ça? Mais quel club présente au début juillet? Quel club est capable d'arriver et de revenir toutes juillet, les conditions? Mais là où je suis en désaccord avec toi, c'est que le temps ne jouait pas en défaveur de l'Olympique de Marseille. C'est là-dessus pour terminer sur ce débat-là et après on passe à l'historique de Mandanda. C'est là-dessus que j'aimerais te lancer. En quoi est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner des arguments sur le fait en quoi l'OM était véritablement en situation de faiblesse dans ce dossier-là? Non, ils n'étaient pas en situation de faiblesse. Mais à partir du moment où ils ont décidé de mettre en avant Paul Lopez, parce que économiquement, Paul Lopez. Ils n'ont pas mis en avant Paul Lopez. Ils ont dit que ça allait être comme l'année dernière. Non, mais si. C'est déguisé. Si. Il a fait 25 ans l'année dernière. T'as mis 12 millions, tu penses vraiment que tu vas laisser un actif de 12 millions sur le banc? Interprétation. Ça, c'est mon interprétation. C'est mon interprétation. Donc, c'est ton interprétation. Non, c'est-à-dire que Pablo Longoria arrive en conférence de presse avec Tudor, il t'explique la situation par rapport à la saison dernière, et un jour plus tard, Stéphane Mandanda arrive avec une offre du Stade Rennais. Tu ne penses pas qu'il y a un lien de cause à effet? Mais alors? Bah si, il n'y a rien de cause à effet. Oui, c'est-à-dire ça ne m'explique pas en quoi Marseille était obligé de le faire. Ouais. Mais Marseille, ils étaient obligés de le faire parce que ça les arrange. Pourquoi? Ça les arrange parce que économiquement, tu te débarrasses d'un salaire et ça, ils ne peuvent pas te le dire. Ils ne peuvent pas te le dire que Stéphane Mandanda, légende de l'Olympique de Marseille, on est bien content que son salaire puisse partir du côté du Stade Rennais. Un commun accord, c'est-à-dire qu'ils ont dû lui faire un petit chèque quand même. Non, et ensuite, du côté de Paul Lopez, ça les arrange bien que Paul Lopez il puisse être le gardien numéro 1, parce que s'il arrive... Mais c'est même pas sûr que Paul Lopez, il parle même d'un gardien qui va peut-être arriver. Non, mais ça, aujourd'hui, la situation, elle est présente comme ça. Paul Lopez est numéro 1. Mais ça se trouve que Tudor, il va faire la préparation avec Paul Lopez, il va pas être content de Paul Lopez. Oui, mais ça, on sait pas. Mais ça, là encore une fois, on est sur une hypothèse. On sait pas. Je te parle de fait par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière et ce qui se passe aujourd'hui, à savoir que Paul Lopez, est un actif à 12 millions à valoriser. Elle est là, la position de Pablo Longoria, qui est là pour créer un cercle vertueux où il y a des joueurs de l'OM qui soient potentiellement revendables. Steve Mandanda n'était pas potentiellement revendable. Aujourd'hui, elle est là, la réalité du côté de l'Olympique de Marseille, à savoir que la symbolique Steve Mandanda, c'est bien, mais ça va deux secondes pour un Olympique de Marseille qui a besoin de thunes. Je comprends pas de quoi tu parles, Elton. Mais si. Vraiment, je comprends pas. Ma position, elle est parfaitement claire. L'OM était d'accord avec moi, je suis pas d'accord. Je comprends pas tous les angles, en fait. Mais sois clair. Je t'ai expliqué que l'OM a une position club en se disant que l'avenir et le présent penche en faveur de Paul Lopez, et qu'à partir du moment où on a cette position, on est capable en même temps d'être arrangeant avec Steve Mandanda. Elle est là, la réalité. Sauf que, juste pour terminer... Vraiment pour terminer, mais très rapidement. Non, parce que je vais remettre... Non, tu ne remettras pas. Très rapidement, en fait, là où tu ne comprends pas, c'est que tout ce que tu es en train d'expliquer, on l'a fait sur la première partie de l'émission. Mm-hmm. Sauf que le choix de la destination, quand tu dis ça arrange l'OM, eh ben, si toi tu penses... C'est toi qui penses que ça arrange l'OM ou tu penses que c'est Longoria qui se dit ça? Financièrement, ça arrange l'OM. Eh ben, je te dis que sportivement, non. Mais sportivement... Sportivement, laisser partir un joueur qui a terminé sa saison, tu t'affaiblis. Et la deuxième des choses, en donnant gratuitement à Rennes, tu renforces un concurrent. Si tu veux pas le comprendre et tu veux pas l'entendre en nous expliquant à chaque fois des trucs sur la vision de Longoria, sur des intentions...
des intentions et surtout des, comment dire, des ressentis de ta part sur des phrases qu'il peut dire, moi je te dis que tu es dans l'erreur. Et moi je te dis que sportivement, ils sont capables de se dire que Steve Mandanda, 37 ans, ça nous fait pas peur. Allez. Elle est là, là. Ça nous fait pas peur. Vous êtes quasiment. Il se trompe. Le résultat le détermine. C'est moi le boss. C'est bon, on s'arrête maintenant. Rectangle. On s'arrête maintenant. On va discuter. Elle t'a dit ça. Comme Barça, Atlético Madrid. Non, mais ça, plus de deux choses qui sont différentes. Quand l'animateur il parle, il faut s'arrêter. T'as vraiment l'assurance que Rennes va terminer devant Marseille. Non, mais il y a un. Non, mais aujourd'hui, t'as vraiment. T'as fini ou pas? Non, t'as fini. Merci. Merci. Eh, vous adorez quand ils s'embrouillent, moi j'en peux plus. Lewinami, puisqu'il faut quand même qu'on passe à l'historique de Mandanda. Lewinami, n'hésitez pas à liker l'émission, il y a plus de 100 likes déjà, 110 likes sur l'émission, c'est déjà pas mal. Mais l'objectif c'est d'en avoir... C'est qu'Elton a raison, Elton n'a rien compris à la suite. Moi je trouve que... bref, voilà. Comment ça on va passer, bref. On va passer à la deuxième partie de l'émission, c'est Place au terrain. Ah oui, ils sont fous, ils vont transpirer sur un truc de... Moi j'ai été calme. Les deux, ils lèvent la main, là, comme ça. Moi j'étais calme. Moi j'ai rien fait, j'ai demandé la parole, j'ai dit ce que je peux répondre, laissé répondre, après j'ai terminé ma réponse. C'est vrai qu'il faudrait couper les micros, il faudrait les couper un moment. Non, il m'a relancé. C'est bon. Quelle place dans l'histoire pour Mandanda? C'est la question, c'est le troisième sommaire, c'est la question qu'on peut se poser. On va voir les stats de Mandanda, je vous en ai sorti plusieurs. On va commencer peut-être par les stats du côté de, je sais pas, j'ai mis la Ligue 1 d'abord. 469 matchs en Ligue 1, c'est le 43e joueur, moi je pensais qu'il allait plus haut que ça dans le nombre de matchs joués en Ligue 1. Il est juste devant Payet qui a un match de plus, et Coupé, il a deux matchs de plus que Coupé. Il a été élu ou nommé 5 fois meilleur gardien devant Payet et Coupé, de Ligue 1. Comment ? Au nombre de matchs joués. Au nombre de matchs joués en Ligue 1. Oui, ouais. C'est pourquoi devant. Et devant notamment Dimitri Payet et Coupé. C'est-à-dire qu'il y a 469 matchs, Payet est 44e avec 468 et Coupé est 45e avec 467. 156 clean sheets en Ligue 1, c'est pas mal. 500 de buts encaissés en Ligue 1. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un but par match encaissé par Steve Mandanda. C'est une légende de l'Olympique de Marseille, on y reviendra après, je vous poserai la question tout à l'heure, si ce n'est pas le plus grand gardien de l'histoire de l'OM. Mais c'est aussi une légende de notre championnat pour toi? Bah oui, évidemment. Depuis son arrivée en provenance du Havre en 2007 jusqu'à aujourd'hui, il a marqué ce championnat. On parle d'un gardien qui a été élu 5 fois meilleur gardien de Ligue 1. Donc par rapport à ça, c'est une légende du championnat. Champion de France en 2010. Il nous a accompagnés pendant de longues années. Donc oui, on est obligé de le placer en tant que légende parce que Steve Mandanda, au final, c'est une histoire exclusivement Ligue 1 ou quasi exclusivement parce que tu as un petit passage du côté de Crystal Palace et sinon, il a été que en Ligue 1 alors que tu as d'autres gardiens qui ont été amenés à rapidement partir à l'étranger et à s'établir là-bas. Steve Mandanda, c'est à travers l'Olympique de Marseille qu'on l'a connu. En fait, quand je me suis posé la question tout à l'heure dans les plus grands gardiens de l'histoire de la Ligue 1, etc., et puis en fait, ou du championnat hein, plus globalement, il y en a qui viennent aussi, je pense à Grégory Coupet forcément vient en termes de palmarès, Bernard Lama vient aussi, Jean-Luc Ettori vient aussi, etc., voire Michael Landreau. Est-ce que tu places Mandanda dans cette range-là et à quelle position tu pourrais le placer? Ah oui, en termes de régularité, en termes d'image associée à l'Olympique de Marseille, bien entendu qu'il est dans cette range-là, même les titres, même le côté spectaculaire qu'il pouvait avoir... qui peut en continuer à avoir. Mandanda, voilà, c'était un félin, et il ne pouvait pas laisser... Je n'ai pas dit Barthez, hein, mais ouais, il ne pouvait pas laisser insensible, il pouvait laisser insensible personne, quoi, de par ce qu'il dégageait dans la surface de réparation. Moi, je me rappelle du premier match contre Caen, à l'époque. Je me souviens surtout de sa saison 2007-2008, la saison de l'explosion. Et pour la petite histoire, c'était Nasri qui l'avait. mais je sais pas si vous vous racontez, mais qui l'avait. On met une pièce à chaque fois. Qui l'avait soufflé au dirigeant de l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Pour le faire, parce que je crois qu'il jouait avec lui en jeune. En espoir. En espoir et. Ah, Nasri et Mandanda ont le même âge. Ouais. Et en gros. Mandanda est un 85. Ouais. Mandanda est plus vieux que Nasri. En fait, il se trouve que Nasri était surclassé. Ouais, il a 35 ans, Nasri. Ouais. D'accord. Et donc, en gros,
voilà, pour la petite histoire, mais et ce match-là contre Caen, où il prend la place de Carrasco parce que Carrasco se blesse. Ouais, il se fait les croisés, si je dis pas de bêtises. Exactement, et Carrasco qui avait fait une belle saison. Très belle saison 2006-2007. Et depuis, il a plus quitté les cages marseillaises depuis 2007. Voilà, donc bien entendu que sa place dans l'histoire, elle est très haute. Après, le problème, c'est que moi, les comparaisons... C'est difficile, par rapport aux époques, c'est difficile, etc. On peut peut-être comparer à Coupé, parce qu'ils ont à peu près... Coupé, il y a les 7 tirs, il y a les 4 ou 5, même Landreau, on peut peut-être comparer, parce qu'ils ont joué à peu près en même temps aussi. Il y a Panama City sur YouTube qui nous dit « Son côté, j'accepte trop la défaite ». C'est un truc qui revient un petit peu quand tu parles de la carrière de Mandanda. Je vais me servir de ça pour exprimer un regret. Il y a des moments où, bien sûr, il a marqué l'histoire du championnat et puis il a été impressionnant. Ouais, il était des trop arrêts, sympa. Des parades, il y a des moments qui reviennent. Mais il y a aussi ce... Même en équipe je sais pas, il y a quelque chose... Accepter son sort en équipe de France. Il y a quelque chose qui fait penser que ce n'est pas non plus un des plus grands. Ouais, et c'est pour ça que j'aurais un regret par rapport à Mandanda et l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que le... Très bon Mandanda n'a pas souvent coïncidé avec un très bon Olympique de Marseille, parce que force est de constater que le dernier titre de Steve Mandanda, c'est la Coupe de la Ligue en 2012. Ça commence à remonter. Et donc Steve Mandanda, il a subi notamment les variations de projet du côté de l'Olympique de Marseille, avec le projet Dortmund, l'arrivée de Marcourt, mais on n'a pas eu un Olympique de Marseille qui était capable de lui offrir une équipe qui était compétitive pour remporter des titres. Et ça, c'est un regret par rapport à ça, parce qu'en en fait, Steve Mandanda, il a commencé par le dessert avec cette troisième place en 2007-2008, le titre en 2010, les Coupes de la Ligue, et ensuite rideau. Et ça, c'est dommage, parce qu'on a eu un gardien qui était très compétitif, mais on n'a pas une équipe qui était compétitive pour aller chercher les titres les plus intéressants. Il y a un bémol avec... On nous dit sa tête après un but encaissé, c'est vrai que c'était un même. Oui, après, il ne faut pas non plus ça, c'est pas... Bah si, c'est vrai. D'accord, ok, bah, il a le droit d'être décidé. Non, mais quand il s'en va à Crystal Palace en 2016, tout le monde se dit, bon, bah, c'est vrai, t'as mérité, c'est bon, t'as connu la galère, maintenant, on comprend... Parce que Romain Poste... Oui, mais ce n'est pas de son fait s'il prenait des buts avec des... Ah non, bien sûr. Avec des équipes de l'OM qui tenaient pas... Qui tenait pas la barre. On aurait réagi bizarrement s'il dansait la lambada après un but. Ouais, voilà, je me rappelle de la saison sous Mitchell où le mec, il est. Mitchell Passy. Il est extraordinaire et sans lui, je pense que l'Olympique de Marseille aurait connu une saison encore plus galère. Maintenant, pour revenir sur Mandanda, moi, le petit bémol que je pourrais mettre, c'est que le fait de ne pas s'être imposé à l'étranger, c'est bien d'être resté à l'Olympique de Marseille, mais. Il n'a pas été en mesure de faire le même saut qu'un Hugo Lloris. Voilà, ça restera un regret, parce que pour moi, l'étranger, même s'il y en a qui vont encore dire « oui, t'es un footix, etc., l'étranger », pour moi, ça donne quand même une certaine valeur du joueur français quand tu arrives à t'imposer dans une grosse équipe et dans un autre grand championnat. On se rappelle que Hugo Lloris avait eu beaucoup, beaucoup de mal au début à Tottenham. Un peu comme Mandanda. Voilà, un peu comme Mandanda. Et voilà, après, je ne pense pas que la destination ait été la meilleure pour lui à Crystal Palace, mais ça reste quand même une petite déception. Et il y a l'équipe de France aussi, bien évidemment, parce que moi, je pensais qu'il était meilleur que Lloris à l'époque, quand j'étais plus jeune. Je trouve qu'il a accepté quand même son sort très très rapidement. Mmh. Alors que sur le côté spectaculaire, sur la force qu'il pouvait dégager au début, j'étais beaucoup plus Mandanda que Lloris. Mmh. Juste si je me place d'un point de vue OM, je vous pose la question, les Winamis, ça va être la dernière question de l'émission. Est-ce le meilleur gardien de l'histoire de l'OM? Pourquoi on pose cette question? Alors ça tombe bien, puisque apparemment Elton a bossé. Donc, on pourra nous renseigner là-dessus. Mais on pose la question pourquoi? Parce que forcément, c'est le joueur qui a le plus joué sous l'Olympique de Marseille. Il y a cette longévité. Il y a le fait d'avoir tenu dans les années parfois un peu galères. Il y a quand même des titres, un titre. On va voir j'enlève le sondage, mais juste avant, on peut voir le palmarès de Mandanda avec l'Olympique de Marseille. 100% de ses matchs en tant que titulaire, un championnat, 3 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions, une Coupe du Monde avec l'équipe de France, et il y a la finale de l'Europa League en 2018. Est-ce que quand on prend la longévité plus potentiellement le palmarès, le peu de palmarès qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut considérer que Mandanda est un des meilleurs gardiens, voire le meilleur gardien de l'histoire? Oui, c'est l'un des meilleurs gardiens. Maintenant, il y en a qui diront Barthez, parce que Barthez, il a des accomplissements de dingue. Il est quand même le gardien du 26 mai 93. Et donc, forcément, ça impacte beaucoup plus. Alors que Steve Mandanda, je l'ai expliqué il y a quelques minutes, Steve Mandanda, c'est un gardien qui a connu de bonnes choses,
Il y a aussi une traversée du désert en termes de résultats pour l'Olympique de Marseille. Donc forcément, c'est un énorme malus au moment de valoriser son bilan. Le meilleur gardien de l'histoire de l'OM, il y a pas mal de votes qui vont venir sur Barthez, forcément Walid, mais il représente quand même une époque, il représente toute une génération quand même, Mandanda, quoi. Oui, bien sûr, c'est notre génération. Ouais. Voilà. Moi, j'ai connu Steve Mandanda en tant que gardien de l'Olympique de Marseille, j'avais 14 ans. Ouais, voilà, 2007, on avait 14 ans. On parlait de toute la fratrie Mandanda aussi à l'époque. C'est ça. On sait que Riffy est parfait. Le reportage dans France de foot. Ouais. 2007, on a, Mandanda, 2007, on a 14 ans, donc on est dedans complètement. Ouais. On a vécu avec Mandanda. On a malheureusement tous les gardiens qui sont cités, Kopke, Rougneux, on a connu quand même, connu. Même mes Barthez avec la Ligue des Champions, etc. On était beaucoup plus jeunes. Il vient après une petite décennie de Porato, Trévisan, Rougneux. Même le retour de Barthez n'est pas incroyable. Carrasso n'a pas fait des super, super saisons à l'OM. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de bien. Carrasso, il avait fait une super saison juste avant. Une saison. Ok, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'était un poste quand même maudit. Hein. Le gardien de but c'était pas la valeur sûre de l'Olympique de Marseille quoi avant. Ouais. Il y a un mec comme Olmeta aussi qu'on n'a pas cité. Ouais, mais il a pas tant que joué que ça. Moi j'ai regardé, il a plus joué à Lyon qu'à Marseille. Ouais. Olmeta. Mais il reste. Je crois qu'il joue que 80 matchs. À Marseille, mais il reste quand même affilié Marseille. Oui, bien sûr, mais il reste que je crois qu'il joue que 80 matchs en tout. Mais en fait, et ça c'est à mettre à l'actif de Steve Mandanda le fait qu'il ait pu s'inscrire dans la durée parce qu'on sait que Marseille. Après, pour moi, un mec comme Rougneux était inférieur à Mandanda. Ah, oui, bien sûr. Non mais Marseille c'est une lessiveuse et le fait d'avoir un gardien qui a su rester autant de temps, c'est aussi à mettre à son actif parce que la vague du dégagisme elle aurait pu arriver bien avant. Mandanda meilleur gardien de l'OM, il y a quand même des pourcentages de oui. Après, de toute façon, la régularité et la longévité plaidera toujours en sa faveur. C'est ça. Tu dis qu'à partir du moment où il y a la longévité, c'est pas pour rien. Il a explosé le record de matchs de l'OM, c'est ça ? Ouais. J'ai plus le deuxième, je sais plus qui. C'est Scotty, c'est dans les années 40. Le 442 matchs. Le mec, il a quand même joué sous trois décennies, quand même, non ? C'est ça. Ouais, c'est ça. 2007-2022, c'est assez costaud. Ouais. Steve Mandanda, voilà, j'espère qu'on lui a rendu le meilleur des hommages. J'ai l'impression qu'on a rendu un meilleur hommage que l'Olympique de Marseille. Moi, je dis ça, j'y arrive. On va terminer l'émission avec un petit quiz, forcément spécial Steve Mandanda, c'est le Cop Winamax. C'est vrai que le retour, on nous dit le retour de Barthez était horrible. Moi, j'ai adoré le retour de Barthez parce que Paoletta lui mettait des top buts à chaque fois vers 2004. Et en plus, ça se finit mal avec Göteborg. Ouais. Quiz spécial, Steve Mandanda. Juste avant, on essaye de passer la barre des 150 pouces avant la fin de l'émission. On est à 135, là, vous êtes encore plus de 600. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas à nous mettre des likes. Ça nous aide et ça nous permet de progresser auprès des communautés qui ne connaissent pas. Alors, venez, on joue au quiz. Oui, Gendouzi 6, t'as raison, t'es sur Twitch, t'as raison, n'hésitez pas à répondre aux questions si vous voulez. Alors, nous, ce qu'on va faire, moi, je les vois, vos réponses sur mon petit écran, mais on masque le chat dans le plateau pour pas que les messieurs là soient un peu aidés. On triche pas, depuis le temps. Ouais, bien sûr. Attends, ça veut dire quoi, ça ? Bien sûr, on triche pas. Attends, ça veut dire quoi ? On triche pas. Allez ! Et j'insiste là-dessus, on ne triche pas. Quiz spécial Steve Mandanda. Quel est le joueur avec qui il a joué le plus de matchs ? Payet ? Non. Bonnard ? Chérou ? Non. Il est encore à l'OM ? Non. Diawara ? Non. Mbia ? Non. Nyang ? Non. Lucho Gonzalez ? Non. Taiwo ? Tu peux dire une troisième fois Nyang ? Non. Thauvin ? Non. Valbuena ? Oh. J'ai dit tout le monde sur Valbuena. Quel est le défenseur ? Diawara. Avec qui il a joué le plus de matchs ? Non. Mbia ? Non. Zuba ? Non. Défenseur central avec qui Kivelli. Rolando. Non. T'as dit quoi t'as dit... Kivelli. Non. Kivelli quand même. Il est encore à l'OM ? Bonnard. Non. Taiwo. Non. Ça aurait pu être Taiwo. C'est pas Taiwo. Joueur Enzo. Il était titulaire ? Il était titulaire, ouais. Il était titulaire... À l'OM ? À l'OM, ouais. Défenseur central ? Défenseur central. Et l'époque 2007 ? Il doit arriver début des années 2010. Diawara ? Non. Début des années 2010 ? Ouais, je crois, c'est à peu près, ouais. Il est parti où après ? Il est parti en Italie. Hein ? Ouais. César, non ? Non. Non. Il est toujours en activité, je crois.
Faut que je regarde, mais je pense qu'il est toujours là. En Italie, là, t'es où? Non, non, mais tu... Ah, non, mais on est où, là? C'est bon, là. On... Ah, attends, on est où? Vas-y, demande-lui le nom. Il a joué... En France, il a joué à Monaco. Rodriguez? Non. Kilachi? Non. Il a joué à Monaco, en France? Formé, je crois, à Monaco. C'est un pied formé. J'y vais. Pas... Il est pas français. Il est pas français? N'Golo. Nicolas N'Golo. Un partout. Vrai ou faux, Walid, tu le prends? Ouais. Steve Mandanda a plus de sélections en équipe de France qu'Adil Rami. Vrai? Non, c'est faux. Ah oui, il est gardien numéro 2. Vrai ou faux, Steve Mandanda a plus de sélections en équipe de France que Lucas Hernandez? C'est faux. Non, c'est vrai. Ah ouais. Lucas Hernandez? Ouais. Lucas. 32 sélections pour Lucas Hernandez, 34 pour Steve Mandanda. Ah ouais. Il y a deux bonnes réponses, donc deux points en jeu juste avant les intrus. En 2018, le PSG gagne 4-0 contre Marseille au Parc. C'est une des plus grosses défaites de la carrière de Mandanda. Il y a deux joueurs qui marquent un double. Di Maria. Non. Qui? Icardi. Icardi, ça fait un. Mbappé. Mbappé, ça fait un. Je l'ai dit, non, c'est pour moi, c'est pour moi. Je l'ai entendu là-bas. C'est pour moi, j'ai dit Mbappé. J'ai entendu là-bas en premier. Elton, c'est moi. Non. Il reste les intrus et ensuite il y aura deux questions spéciales. J'ai oublié enlever les intrus, j'ai oublié de les faire en fait. En plus, tu dis 2018, c'est 2020, donc déjà, les deux points devraient être retirés. Parce que t'as dit 2018. Non, c'est 2018. Non, t'as dit 2018. Sûr. La régie, là, t'as dit 2018. Ah oui, t'as raison. Bah oui, ça change tout. J'ai oublié de faire les intrus en fait, donc non. Ah, c'est bien. C'est, ah ouais, bah bravo. C'est bon. Ah, voilà. J'avais bien que j'avais oublié un truc aujourd'hui. Donc il reste deux questions. T'es une calamité. Il reste deux questions. S'il y a égalité, je trouverai. Quelle manque de rigueur. Qui est le capitaine de l'OM? Quoi? Qui est le capitaine de l'OM lors de son premier match contre Caen? Niang Sana. Niang Sana. C'est beau. Ça va faire victoire de Walid. C'est fou que depuis qu'il n'y a plus l'arrêt, c'est comme défaut. Ouais. Mais tu sais que l'été, je suis souvent chaud. Ouais. Et enfin, dernière question pour le fun. Mandanda a réalisé une seule passe décisive dans sa carrière. Pour qui? Brandao. Contre l'Inter, exactement. Enfin, passe décisive, faut vite le dire. Hein. C'est une passe décisive. Faut vite le dire, c'est pas une passe décisive, ça. Victoire de Walid, bravo. Il y a eu énormément de N'Koulou sur le chat. Hein. Ah ouais? Bon, s'il y avait eu les intrus, ça aurait rien donné non plus. Si. Mais les intrus, c'était l'effectif de Crystal Palace en 2016-2017. Ça aurait été bien. Mais je savais que j'ai oublié un truc. Walid, c'est la Belgique, le roi des amicaux et de la prépa. C'est vrai. voilà pour cette émission spéciale. Je suis troisième de la race cette saison, hein, les gars. Quand même. Ouais. Oh, pour moi, t'es deuxième en plus. Parce que ouais. Nice. Ouais, exactement. À 100 quiz par an. Ouais. Voilà pour cette émission spéciale Mandanda. Ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. Non, vraiment, depuis le régime, ils marchent sur l'eau. Ils ont dit. Merci Walid, merci Elton, merci à Arthur et Pierre qui étaient en régie, les Winami. On va se donner rendez-vous demain pour un nouveau WinAFC. Ça sera avec Sofiane et je sais absolument pas ce que vous allez faire. Voilà. À demain, je suis pas là. Toi, t'es pas là? Non. Toi, tu vas être là, Walid, encore? Demain, je suis là, ouais. Moi, j'ai un week-end, moi. T'ont donné les clés ou pas pour venir dormir? Ouais, tranquille. Non, ouais. Allez, bon après-midi à tous. Il a bien révisé, en tout cas, c'est vrai. De quoi? Ouais, t'as bien révisé, ouais, t'as raison. Il a pris 5 heures dans les dents. Allez, bonne journée à vous. J'avais les réponses. Bonne journée à vous, à bientôt. Allez, ciao. Salut. Ciao.